Le matin suivant, Lian se remémora le moment où il avait causé l'accident du frère de Kanga. Il n'avait montré aucune pitié après avoir commis le crime. Lian avait rangé la voiture avec les fenêtres brisées dans le garage pour cacher les indices. De retour à la réalité, Lian ne se repentait absolument pas. Inattendu, sa mère l'appela pour savoir s'il était rentré. Dès la fin de la fête, la mère de Lian réserva le premier vol à l'étranger. Elle demanda à son fils de bien prendre soin de lui et de suivre les instructions du majordome pour devenir un héritier digne du groupe Jushin. Mais Lian n'aimait pas ce genre de vie. Dès qu'il rentra chez lui, il fut immédiatement pressé par le majordome d'aller à l'école, avec un emploi du temps chargé du matin au soir. Lian était extrêmement frustré. « Je suis juste un humain. Le majordome est comme une machine programmée, faisant ce que la maîtresse de maison lui demande pour que je devienne la personne la plus parfaite. » Lian se rendit alors chez Wu Jin pour demander un repas. Le rêve de toute sa vie était de goûter une fois au riz que sa mère préparait, mais il devait demander à la mère de Wu Jin de le préparer pour lui. Les parents de Wu Jin acceptèrent de le recevoir, et c'est alors que Lian confia ses problèmes à Wu Jin. Lian ressent profondément qu'il et Jay sont faits l'un pour l'autre et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Cette prise de conscience inquiète quelque peu Wu Jin, qui conseille à Lian de ne pas agir de manière irréfléchie. Lian est uniquement préoccupée par Jay et se demande comment elle se remettra de la nuit précédente. De son côté, Jay est réprimandé par son père. Celui-ci lui ordonne de comprendre sa place et de ne pas changer les choses pour quelques personnes de peu d'importance. Son frère cadet en profite pour taquiner Jay, mais leur père l'interrompt sévèrement, lui ordonnant de se taire et d'écouter. Jay commence à expliquer à son père qu'elle n'a fait que soutenir Kanga à l'école. Son père lui rappelle le prix de la pitié, lui disant que la vie du garçon ne vaut pas la peine de tout risquer. Jay, inquiète, s'excuse immédiatement et promet de rester éloigné de Kanga. Son père lui permet alors de retourner dans sa chambre. Dehors, son frère cadet attend Jay et la blâme pour la situation, ce qui entraîne une réprimande de leur père. Jay rappelle à son frère de faire attention à ce qu'il dit, car les problèmes viennent de la langue. Son frère lui rappelle le contrat qu'ils ont signé, ce qui pousse Jay à réduire son ego immédiatement. Le soir, le meilleur ami de Kanga l'emmène dans une salle de dressing. Il a maintenant le mot de passe du casier personnel de Lian. Après avoir réussi à l'ouvrir, Kanga découvre une photo de Jay dans le casier, non pas avec Lian, mais avec le frère de Kanga. Il ne s'attendait pas à voir Jay sourire si largement avec le frère de Kanga. Peut-être que ce moment était le plus heureux de sa vie, sans les soucis d'être la fille aînée d'une famille tycoon. Le lendemain, les élèves vont normalement à l'école. Hera se précipite vers Lian dès qu'il descend de voiture, tandis que les autres élèves observent son intention de confronter Jay. Hera choisit Lian comme bouclier. Kanga s'approche de Jay pour discuter de la nuit précédente. Jay lui explique qu'elle veut s'excuser pour les actions insultantes de son père. Kanga ne prête pas attention à cela et demande si Jay a encore des sentiments pour Lian. Jay, extrêmement en colère, lui répond qu'il n'a pas à savoir ce genre de choses. Kanga sourit, incertain de savoir si sa supposition est juste ou non. Il veut officiellement sortir avec Jay pour l'aider à oublier Lian et voir son sourire heureux. Les paroles de Kanga rappellent à Jay son frère, ce qui la trouble, car elle ne veut pas revivre une telle tragédie. Elle ne souhaite pas que Kanga entre dans son monde. Elle préfère qu'il vive dans son propre bonheur et qu'elle reste dans son monde jusqu'à ce qu'elle ait assez de force. Après avoir parlé, Jay se détourne et quitte Kanga, laissant celui-ci pensif. Parallèlement, Wu Jin et le professeur principal entrent ensemble dans la salle. Dès que Wu Jin termine un appel téléphonique, il s'en va rapidement. Le professeur principal, jaloux, se demande si Wu Jin ne l'aime pas du tout. Wu Jin, qui ne comprend pas vraiment l'amour, lui offre un sac Hermès. Malgré sa jalousie, le professeur principal accepte le sac avec bonheur et le montre autour de l'école. Malheureusement, elle croise Jay, qui la force à s'excuser pour ses actions. Aujourd'hui, le professeur principal est particulièrement audacieux et ose même donner des leçons à Jay devant tout le monde. Mais un sac de marque ne peut pas cacher la pauvreté, et les mots de Jay font pâlir le professeur principal. Jay quitte les lieux avec mépris. Pendant ce temps, la directrice rentre dans son bureau, juste au moment où son fils sort, et demande aux surveillants ce qui se passe. Ce qu'il faisait ici, il avait oublié quelque chose, mais en voyant son expression, c'était très inhabituel. Le principal savait que le surveillant cachait quelque chose. Il a dit rapidement qu'il y avait un cours et a demandé à la mère la permission de partir en premier. Ensuite, le surveillant est venu à la bibliothèque et a appris à Yenhan, le meilleur ami de Kanga, à faire ses devoirs. Le surveillant a demandé quelle était la relation entre lui et Kanga. Il avait toujours l'intention de le cacher, mais il a été immédiatement démasqué par le surveillant. J'ai vu deux personnes au café. Le meilleur ami de Kanga a été forcé de tout avouer. Le surveillant a promis de garder le secret pour lui. À ce moment-là,
Kanga a reçu un message texte anonyme contenant une vidéo montrant le frère de Kanga se faire intimider. Il était extrêmement en colère en le voyant. Soudain, Hera est apparue et voulait que Kanga la remercie de l'aider à rencontrer le père de Jay. Tu dois savoir qu'il est difficile pour les autres de parler au président Young, mais Kanga sait que Hera veut mettre Jay dans une position inconfortable. Hera dit à Kanga la vérité. Peut-être a-t-il aussi entendu parler de l'étudiant masculin qui a eu un accident il y a un an. Qui penses-tu est le coupable ? Kanga a confirmé que c'était Lian, mais Hera l'a nié. Lian était l'héritier du groupe Jushin. Il était normal d'être en colère et d'accidentellement poignarder quelqu'un. Celui qui était vraiment en faute était Jay, car elle avait pitié de cet étudiant masculin, lui permettant d'interférer dans la vie d'un groupe d'amis riches, ce qui a conduit l'étudiant à une fin tragique. Hera a rappelé à Kanga que sa situation n'était pas différente de celle de cet étudiant. Il a donc su tôt qu'il serait difficile de se retirer. Après cela, Hera est partie. Le cœur de Kanga était misérable. Comme Hera l'avait dit, Jay était la principale cause de la mort de son frère. À ce moment-là, tout le monde était en classe. Soudain, Jay a reçu un message texte. La personne mystérieuse savait qu'elle allait à l'étranger, ne laissant pas plus de temps à Jay pour réfléchir. Ce type a envoyé une vidéo jointe au message. La ligne de texte était très longue. Jay est rapidement sorti, inquiète. Kanga et Lian l'ont poursuivi. Hera voulait garder Lian, mais ne le pouvait pas. Inattendu, il y avait deux personnes envoyant le message texte, y compris Woo Jin, et l'enseignant a vu Jay passer avec un sourire sinistre. Kanga a couru après elle, mais a été retenu par Lian. Il a dit à Kanga que la raison pour laquelle Jay était si inquiète était à cause du président Young. Il sait que la relation entre Kanga et Jay est comme une bombe à retardement qui peut détruire les sentiments de Jay à tout moment. La meilleure solution est que Kanga parte. Ne pense pas que les gens riches n'ont pas à endurer de pression. Tu ne sais pas. Ce que nous avons dû endurer, les yeux de Lian se sont glacés. Kanga l'a également regardé fixement sans cligner des yeux. Ensuite, deux étudiants se sont précipités pour remplacer Lian et s'occuper de Kanga. Vous avez fait la même chose à l'étudiant masculin il y a un an. Les trois autres ont immédiatement gelé. Kanga a forcé un sourire, oubliant que l'école Jushin interdisait aux étudiants de parler de cela. Ren s'est approché et a demandé à Kanga qui il était pour répondre à cette question. Rien n'est allé voir Woo Jin et lui a demandé d'enquêter sur Kanga. Normalement, les étudiants boursiers ont très peur de Lian, mais Kanga n'avait pas peur. Quelque chose d'encore plus terrifiant l'a aidé à surmonter sa peur. Wan a promis d'aider Lian à enquêter en détail. De l'autre côté, Hera a pris rendez-vous avec Jay pour l'aider avec la dernière chose en tant qu'ami. Le hacker a trouvé l'emplacement de la personne mystérieuse qui a envoyé le message, qui se trouvait à l'école Jushin. Désormais, Hera et Jay mettraient fin à leur amitié juste à cause d'un homme. Hera avoue à Jay qu'elle a aimé Lian depuis la maternelle, mais que Lian avait des sentiments pour Jay. Elle a décidé de l'abandonner. Hera s'est ouvertement battue pour Lian. Jay a immédiatement demandé à se retirer. Jay ne blâme que Hera d'avoir été trop aveugle en sachant que Lian profitait d'elle. Elle a quand même essayé de se précipiter. Si les deux étaient encore amis, Jay aurait certainement battu Hera pour la réveiller. Mais maintenant, elle n'a plus ce droit. Jay a laissé Hera derrière elle. Sur le chemin du retour, Hera se souvient des souvenirs d'enfance et de son adolescence avec Jay et pleure soudainement, ne sachant pas si le choix de laisser son ami pour un garçon était juste ou non. De l'autre côté, Jay rentre chez elle. Son père avait organisé un rendez-vous avec le président Park et l'aîné, qui serait également le futur mari de Jay. Elle ne voulait pas désobéir à son père, alors elle a seulement hoché la tête en accord, rendant le président Young extrêmement satisfait. Il a ensuite emmené sa fille à un rendez-vous avec un prétendant. La famille du prétendant était extrêmement ravie de Jay car elle est une fille belle et calme. Le président Young estime également que l'autre personne est appropriée pour sa fille, une personne avec une grande capacité de travail. Les deux parties ont parlé joyeusement, mais Jay se sentait mal à l'aise. Elle s'est cachée dans la salle de bain. Lorsqu'elle est sortie, l'homme a commencé à parler et a voulu inviter Jay à se promener et discuter, mais Jay a immédiatement reçu un message texte d'une personne mystérieuse. Elle a essayé de se cacher d'abord. La personne mystérieuse a envoyé à Jay une photo d'un test de grossesse avec deux lignes, ce qui a extrêmement stupéfait Jay. Juste au moment où cet homme est venu lui poser des questions, Jay a immédiatement vomi sur lui. Peut-être que l'affaire du mariage se termine ici. De l'autre côté, Wan a demandé au professeur principal de récupérer le dossier de Kanga et de le transmettre à Ron. Il n'y avait absolument rien d'anormal, mais Lian se sentait toujours confus. Un étudiant boursier comme Kanga ne pourra pas causer de problème. Le lendemain, Lian est venu en classe et a découvert que Jay était absente de l'école. Il ne pouvait pas se concentrer sur ses études. Kanga a été plus proactif. Ne voyant pas Jay venir en classe,
Il est allé chez elle pour la chercher, mais n'a pas pu entrer dans la villa. Il a donc dû attendre dehors. Mais pendant plusieurs jours, Jay n'est toujours pas apparu. Lian est donc venue en colère pour trouver Kanga, pensant qu'il savait ce qui était arrivé à Jay. Kanga ne voulait pas répondre. Peut-être qu'il ne savait pas non plus. Lian s'est retournée et est partie. Seule Hera est intelligente. Elle a demandé à des membres de la famille des informations claires. Elle a demandé à quelqu'un de prendre rendez-vous avec le jeune frère de Jay et a rapidement trouvé des informations utiles. Ensuite, Hera a apporté l'histoire à Wu Jin. Après le rendez-vous arrangé il y a quelques jours, Jay était confiné au complexe, attendant le jour de se rendre à New York. Le président Young souhaite que sa fille disparaisse. Hera dit à Wu Jin de ne pas raconter cette histoire à Lian. Hera a un plan et Wu Jin, curieux, lui demande ce qu'elle veut faire. Elle s'est assise directement sur Wu Jin. « Suis-je jolie aujourd'hui ?» Wu Jin ferme les yeux et attendit, mais Hera l'embrassa simplement sur la joue, prouvant ainsi que oui. Hera partit rapidement, et Wu Jin ne met que rire sans pouvoir s'empêcher de se sentir impuissant. Ensuite, Hera se rend à la villa de Lian, vaporise un parfum envoûtant et entre à l'intérieur. Lian s'inquiétait en appelant Jay qui ne répondait pas. Hera vint rapporter la nouvelle à Lian. Jay est sur le point de partir pour New York, et l'histoire d'amour entre Lian et Jay est terminée. Hera veut demander à Lian de lui donner une chance, mais Lian souhaite se rendre au complexe pour retrouver Jay. Il s'avère que Lian a découvert que Kanga et l'étudiant qui l'a tué étaient frères. À ce moment-là, Kanga a reçu un message de Lian lui indiquant où Jay était détenu. Kanga suivit les indications jusqu'à la villa du complexe. En effet, Jay était là. Elle chassa Kanga, mais il la suivit préférablement à l'intérieur. Kanga voulait savoir ce qui se passait pour voir s'il y avait un moyen de sortir Jay d'ici. Elle continue de poursuivre Kanga, qui était obstiné. « Alors je resterai ici pour que tu ne sois pas seul. » Jay ne pouvait pas garder son calme et confessa qu'elle était menacée. Kanga se demanda pourquoi elle disait cela. « Parce que Jay ait tué quelqu'un. » Jay déclare émotionnellement le nom de cette personne. Kanga admet également que la personne qu'elle devait être son frère. Les deux se regardèrent, ne sachant quoi dire. Jay se souvint du moment où elle avait rencontré le frère de Kanga. Celui-ci avait lancé une balle qui avait sali la chemise de Lian. Bien que Lian ait simplement enlevé la chemise avant de partir,